tout le monde s'est donné beaucoup, beaucoup de mal pour arriver à faire de cet événement un moment magique, un moment unique. Et je pense que toutes les équipes ont été mobilisées, surmobilisées. Ils se sont tous donnés rendez-vous pour que cet événement soit exceptionnel. Mesdames, Messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour l'ensemble de l'équipe du domaine Loup Capitaine. Je suis encore et je suis très fier d'être le directeur de cette équipe. Merci, vous me faites grandement plaisir. C'est un régal. Conclure un très très bel 60e anniversaire et qu'il y en ait plein d'autres, et je serai bien évidemment, je suis à vos côtés et je serai à vos côtés sans problème. Oui, d'abord ce soir c'est la fête du 60e anniversaire d'un outil précieux pour un territoire et pour un département comme le nôtre. Saluer les élus présents, remercier monsieur le maire, cher Antoine, de nous accueillir dans le plus beau village de France. Je ne peux pas vous dire grand chose de plus que dans ce film qui est très bien fait. Alors j'espère que vous l'avez regardé, ceux qui ne l'ont pas regardé bien sûr, vous pourrez le trouver sur YouTube. Bien, Latimo est arrivé avec un projet qui est pour moi extraordinaire, qui a rassemblé aussi bien les administrateurs que les salariés. Solidaire, pour moi, et les enfants m'ont dit, c'est être solide. Et solide ensemble. Je n'aime pas peindre seul. Le pari, c'était de faire en sorte que les gens arrêtent de travailler et viennent de temps en temps poser leurs couleurs. Mais on va juste après mettre la musique, ouvrir le rideau pour dévoiler cette œuvre qui sera installé bien évidemment au domaine du capitaine. Clépham, 60 ans. Ça s'arrose, mais après, après, ce soir. Cet événement nous donne l'occasion de retracer le chemin parcouru pendant toutes ces années depuis 1962. Et pour certains d'entre nous, ici présents, ils nous ont permis de réaliser à quel point cette structure d'accueil et de loisirs a évolué depuis sa création. Je voulais dire que ça fait partie des objectifs de l'association. Voilà. Et c'est avec une grande confiance que nous regardons l'avenir.